Mesdames et messieurs, bonjour. Nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenue à l'occasion de cette rencontre qui aura lieu demain au mythique stade Augustin Monédan de Siban, opposant l'AS Bongili Sport à l'AS Maniema Union de la République démocratique du Congo. Comptant pour le premier tour préliminaire, la Ligue des champions CAF, Total Energy. Et sur le plateau, j'ai avec moi deux techniciens qui vont se faire le devoir de se présenter, de vous dire qui ils sont. Monsieur, bonjour, à vous la parole. Bonjour, André Brice, entraîneur de Bongili Sport. Bonjour, Bongo Bitégué, capitaine de Bongili Sport. Ok, merci monsieur. Maintenant, mesdames et messieurs des médias, nous allons vous passer la parole pour vos éventuelles questions. Merci. Bonjour, Smanda 141. Alors, coach, ravi de vous revoir. Merci. Nous savons que vous êtes aux commandes de Bouanidi. Vous étiez lors de la campagne de l'année dernière. Vous avez rencontré des clubs de la RDC, notamment le tout puissant de la Zimbé. Aujourd'hui, quel est l'état d'esprit du groupe? Bon, déjà rappeler que c'est une grande satisfaction de ma part d'être encore face à vous aujourd'hui. Ça prouve à suffisance que Bouanidi continue de faire ses classes. Nous y étions l'année dernière et aujourd'hui encore la grâce qui lui a voulu que nous y soyons une fois de plus pour représenter la nation. Donc voilà, par rapport à l'équipe, la préparation se passe bien. Et déjà de rappeler que l'année dernière, nous sommes arrêtés pratiquement aux portes d'une qualification en phase de poule. Et que cette année, l'objectif est d'espérer d'aller défoncer cette porte-là qui s'est fermée sous nos narines. Donc en gros, nous sommes là, on se prépare comme toujours. La philosophie n'a pas changé. Le groupe a changé à 95% pratiquement. Mais qu'à cela ne tienne, l'équipe, le nom du club reste le même, c'est Bouanidi. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits de savoir que tous les jeunes qui sont là cette année sachent que Bouanidi a une philosophie et on espère que les garçons puissent adhérer à ça. Et depuis quelques semaines, on se rend compte que voilà, mentalement ça va et que les garçons sont prêts à tout donner les mains comme toujours. Ok. Sans championnat depuis 2 ans, est-ce qu'aujourd'hui on a encore cette, peut-être pas la chance, mais cette possibilité d'avoir une qualité de prestation comme l'année dernière, comme vous l'avez bien signifié, que vous avez renouvelé l'équipe à peu près de 95%. Est-ce que les matchs amicaux ne trompent pas l'engagement? Bon, après, je pense que c'est tout se jouera à l'état d'esprit. Je pense que la seule chose que nous essayons de faire depuis l'année dernière, on ne va pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Voilà, depuis l'année dernière, nous avons une philosophie, c'est de tout donner. C'est de vendre cher nos pots. Et tous ceux qui ont rejoint le groupe cette année savent qu'il faille rester sur cette philosophie. Et parler du championnat, je pense qu'on essaie de jouer, on essaie de travailler en oubliant qu'il n'y a pas de championnat dans les gens. Mais qu'à cela ne tienne, on a quand même eu les bons matchs amicaux cette saison. Nous avons joué Manga Sport 3 fois. Ça nous a servi de match, pratiquement match de niveau Coupe d'Afrique. Et l'année dernière, nous n'avons pas eu cette chance-là. L'année dernière, nous avons passé du temps à jouer que contre des sélections montées à la va-vite, composées justement des joueurs qui jouent au championnat national. Mais cette année, on a quand même eu la chance de jouer Manga et je pense que les garçons du groupe ont pris. Et voilà, nous on essaie de jouer sans penser au fait qu'il n'y ait pas championnat dans les jambes, mais raison pour laquelle on a essayé de durcir un tout petit peu la préparation, sachant que le manque de championnat, certainement mal aimé, nous jouera des tours. Et ne pas oublier que Maniema aussi, qui vient, aussi pour cette saison, n'a pas démarré son championnat. Donc voilà, on pense qu'il faut juste garder notre état d'esprit. Et toujours tout donner pour espérer avoir les résultats que nous souhaitons. Oui, coach,
Vous avez dit que l'équipe est renouvelée à 95%. Est-ce que vous avez l'entièreté de votre groupe lorsqu'on sait que l'actualité, vous l'avez dit, a souvent été toujours avec des joueurs en moins, des joueurs blessés? Est-ce que cette fois-ci, la chimie peut prendre au niveau effectivement des faits? Pour nous dire, après plus d'un mois de préparation, je pense que c'est trop tôt. Voilà, pour un groupe qui vient d'être aussi modifié, je pense pas que ce soit un même mois et demi qu'on. Voilà, qu'à cela ne tienne, on s'est donné les moyens d'être prêt demain. Et puis, les blessés, il y en a eu, ce qui est tout à fait normal. Nous avons des garçons qui viennent de passer pratiquement 2 ans pour certains, pour pratiquement tous, voilà, qui viennent de passer pratiquement 2 ans sans jouer. Il était important pour nous, sur le plan physiologique, de déjà essayer de booster les garçons sur le plan cardiologique. Et puis, voilà, il y a eu des blessés. Quand on commence à récupérer un tout petit peu. Mais qu'à cela ne tienne, pour le match de demain, je pense qu'on a l'effectif qu'on souhaitait avoir, même si on a quelques problèmes avec Luka Müller, Luka Nani Nono, qui sont pourtant les joueurs clés de notre effectif, qui malheureusement, sur le plan administratif, ne sont pas à jour. Mais qu'à cela ne tienne, tous ceux qui sont là, je pense qu'ils sont Bouindidis et ils sont prêts à tout donner demain. Bouindidis, système D, c'est pour quel objectif cette année? On sait que Adola, par exemple, c'était un bon bricolage, et même aussi à Ouagadougou. Est-ce que le coach Brice Sondo améliore l'improvisation? Parce qu'il va falloir improviser si les gens ne sont pas disponibles. Déjà, avec le manque de championnat, on est obligé que de nous adapter aux situations. Voilà, comme vous venez si bien de le dire, à Adola, il fallait s'adapter, à Ouaga, il fallait. De toute façon, tous nos matchs, nous n'avons fait que de nous adapter en fonction des événements, en fonction des situations, en fonction de l'environnement. Voilà, comme je dis, c'est déjà de savoir qu'il est important pour nous et que cette année, Ouéguidi ne viendra plus surprendre personne. Ouéguidi est maintenant connu, Ouéguidi s'est fait un nom. Et je pense que Maniema qui vient nous jouer sait qui nous sommes. Maniema a toutes les informations sur nous. Donc, à cela ne tienne à nous, comme je ne cesse de le dire, de nous donner les moyens d'être à 100% demain. Oui, coach, vous jouez cette fois-ci avec Manga Sport comme représentant, plusieurs représentants. Ça change un peu dans l'état d'esprit? Oui, ça nous enlève de pression. L'année dernière, nous étions le seul représentant de la nation. Aujourd'hui, nous avons Manga Sport qui est quand même déjà une équipe assez expérimentée. Donc, voilà, nous on continue de faire nos classes, on a joué les matchs face à Manga. Nous ne sommes que la petite équipe de Ouéguidi qui a moins d'expérience, moins âgée que Manga. Et justement, les matchs contre Manga nous ont permis d'apprendre. Et raison pour laquelle on est satisfait aujourd'hui de savoir que la nation est due représentant à cette compétition africaine. Comment interprétez-vous les nombreux départs de joueurs qui sont sollicités à l'étranger et par certaines écuries à s'équiper? Simplement le manque de championnat. Je pense que les garçons aujourd'hui, ça fait mal. C'est toujours difficile de passer, je sais pas, dans l'un des coins de Libreville et de retrouver un joueur, un footballeur qui fasse la maçonnerie, qui soit en train lui de se débrouiller dans un petit bricole pour nourrir sa famille. Et moi, je suis d'accord. Je comprends bien que les garçons aillent à l'extérieur parce que voilà, ils vivent de ça, c'est leur métier. Courage à eux et bravo à tous ceux qui sortent. Et c'est important de prendre ces risques-là parce que rien n'est donné d'avance. Donc, chance à eux, bravo à eux et beaucoup de courage pour eux. Oui, coach, nous sommes dans la fraîcheur de la fin de la phase éliminatoire du mondial. Et là, nous avons constaté avec le Gabon. Il y a une certaine similitude avec Ouéguidi l'année dernière, de la gestion du score, de l'avantage. Nous avons vu l'année dernière avec Ouéguidi avec le tout puissant Mazembe, et je pense aussi à Ouaga. Alors, c'est peut-être un ADN chez les Gabonais, la gestion de l'avantage et du match, de conserver cette victoire ou cet avantage pour ne pas se faire attraper. Parce que cette année de Ouéguidi, on peut avoir ces beaux scénarios où on part de l'avant sans recevoir encore une balle. Déjà, c'est notre souhait, on l'espère. Tout entraîneur
souhaiterait avoir le scénario inverse, qui soit celui de ne pas prendre de but en fin de match. Mais malheureusement, c'est le terrain qui commande. Après, est-ce que ce n'est pas aussi une philosophie du football gabonais de jouer, quand on sait que le Gabonais aime jouer et que ce sont les équipes gabonaises qui ferment le jeu. Et puis, voilà, aujourd'hui, on a des nations qui progressent, qui elles, savent que quand elles viennent jouer contre les équipes gabonaises, il faut s'attendre à ce qu'elles soient à un moment donné déséquilibrées, parce qu'elles sont. La preuve, c'est là, vous venez de le dire. Contre Mazembe l'année dernière, on a peut-être manqué de maturité, ce qui est normal. On jouait quand même le grand Mazembe. Et après, on a été rattrapé par le manque de conditions. On jouait Mazembe qui, arrivant à Moneda, était à, je pense, 14 journées du championnat. Après, voilà, c'est fort possible ou c'est parfois normal que les fins de match soient un peu plus difficiles. Après, parlant de l'équipe nationale, je ne suis pas très bien placé pour dire quoi que ce soit. Voilà, je pense pour moi, c'est la philosophie du football gabonais qui voudrait qu'il fasse jouer. Et parfois, voilà, ça coûte cher et quand ça marche, c'est toujours bien. J'avais une question pour le capitaine. Terence, sur la feuille de match, tu fais partie des plus tapés, non seulement par l'expérience, mais surtout le nombre de matchs joués en Coupe d'Afrique. Sur une compétition comme telle, comme celle-là, lorsqu'on revient avec un nouveau jeu, pour vous les tolliers, là, c'est quoi le discours? Bon, merci encore. Le discours, c'est de juger tous à la même valeur, parce que c'est des jeunes qui ont fait effectivement fait leur preuve vers le championnat national, que le coach a réputé. C'est le même discours, c'est de dire on doit faire meilleur que la saison dernière. Donc, effectivement, c'est ça le discours que je peux apporter aux jeunes. Sur le plan tactique, le coach Brice Ondjo est réputé un entraîneur dont la tactique est basée sur le physique et l'impact. Est-ce que, à ton niveau, ça ne te fait pas tant, tu ne joues pas de coup, même si Angola, tu as pas assuré? Oui, vous avez bien dit Angola, je l'ai assuré parce que le coach, tactiquement, non, ce n'est pas seulement le physique, hein. C'est désolé. Mais aussi tactiquement, il est prêt parce que Angola, vous avez vu qu'on a joué avec deux systèmes. Deux systèmes, l'aller comme le retour, vous savez que tactiquement, ce n'est pas seulement le physique. Le physique, il est prêt, il a ses diplômes pour ça. Aujourd'hui, on ne peut pas déjà vous dire comment on va jouer demain. Ça, c'est à nous, c'est à nous. Mais vous ne serez pas déçus demain parce que tactiquement, nous sommes bons. Ça ne fait pas d'enchaîner deux Coupes d'Afrique d'affilée comme ça. Mais c'est la